Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rimna. On se retrouve aujourd'hui pour la review de Extreme Rules 2018 que j'ai regardé en live, voilà, mais je ne peux plus faire les reviews juste après le show comme je vous l'ai dit. Mais bon, c'est pas grave, hein, je le fais quelques minutes après. Alors, ce show était mitigé. Il y a eu des trucs cool, des trucs moins bien. La première partie du show était extrêmement mauvaise. Et la deuxième partie était super. Enfin, j'ai adoré moi la deuxième partie du show. Du moins, ouais, la fin, on va dire. Voilà. C'est mitigé comme show. Il y a eu des trucs très cool et des trucs très mauvais. On va revenir en détail sur un petit peu tout. Donc, deux matchs hein, dans le kick-off. Alors, j'ai pas pu faire ce match dans ma vidéo prono. J'ai mis voilà, dans la description et dans les commentaires ensuite mon pronostic qui était Andrade Cien Almas et ça bien sûr était le cas. Victoire d'Andrade Cien Almas qui bat Sin Cara. Ah bon, il y a une voiture qui vient de passer. C'est pour ça que j'ai fait pause. Andrade Cien Almas qui bat Sin Cara. Voilà, bon. J'ai préféré en match à SmackDown. Hein. Voilà, bon. C'est pas normal qu'il fasse un meilleur match à SmackDown, mais bon. Match trop court pour vraiment mettre plus que 2 étoiles un quart. Voilà, bon. Il y a des gens qui disent, oh, on aura des finales. Bon, les gars, attendez. On sait que c'est WWE qui mettent 8 ans à donner un titre à un catcheur qui vient d'NXT, à part peut-être Finn Balor, il est vrai, ou des catcheurs de type mauvais dans le ring. Mais quand c'est des bons catcheurs, on sait, voilà, Nakamura. Ils ont mis un an, putain mais la voiture repasse, je ne sais pas pourquoi. Nakamura, ils ont mis un an à lui donner un titre, enfin un an et demi même. Vous savez aussi, c'est bon, je me suis un petit peu écarté. Donc je disais Nakamura, ils ont mis un an et demi à lui donner un titre. Et c'est dommage parce qu'Andrade Cien Almas aurait pu être champion des États-Unis très rapidement. Ça n'a pas été le cas, ils ont changé pour Nakamura. Bon, moi, ça me gêne pas, Almas, je l'adore, hein, vraiment. Mais je sais que tôt ou tard, il aura sa chance. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça chez WWE. Ils mettent beaucoup de temps à vraiment bien pusher une superstar. Donc, voilà. On va un petit peu attendre pour Andrade. Mais je pense que WWE va quand même bien pusher Andrade. Je pense qu'il va avoir très vite un titre comparé à d'autres. Un peu comme Baylor. Pas aussi rapidement peut-être que Baylor, parce que Baylor ça a été très rapide. Mais je vois bien, ouais, dans 3 mois, pourquoi pas champion des États-Unis. Voilà, malheureusement Nakamura est donc devenu champion. Mais il est heel, et Almas également. Mais je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de très rapidement voir Andrade. Bref, 2 étoiles un quart, le match était bon. Voilà, pas ouf. Sanity contre le New Day dans un match des tables. Deuxième match du kick-off. Et ben j'ai bien aimé ce match pour le coup. Avec une victoire, heureusement, de Sanity. J'avais très peur. J'avais très très peur que le New Day gagne ce match. Parce qu'ils en avaient pas besoin en fait. Ils en avaient vraiment pas besoin de cette victoire. Donc j'avais pas envie que WWE leur donne, une nouvelle victoire. Vraiment. Ça servait à rien. Et puis Sanity surtout. J'avais surtout pas envie que Sanity perde une nouvelle fois. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Victoire de Sanity dans un match voilà, sympathique. Très bon match de Killian Dane, hein, que j'ai beaucoup aimé dans ce match. Donc en tout cas, 3 étoiles. Victoire de Sanity. Voilà. Bon. Voilà pour ce petit kick-off, match quand même trop court. Je pense que il aurait pu être encore mieux s'il y avait un peu plus de temps. C'est dommage. Mais bon, voilà. Et on passe au main show. À noter que Ronda Rousey est dans le public, hein, au premier rang. Voilà un petit détail qui n'est pas important pour l'instant, mais qu'on reverra tout à l'heure. Bref. Les Divas of Worlds face à la B-Team pour les championnats par équipe de Raw. Alors, ce match, déjà pourquoi mettre ce match en opener? Je comprends pas. J'ai bien aimé le booking du match que j'ai trouvé plutôt intéressant. Mais par contre, victoire de la B-Team. Ouais. Ouais. Non, 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 pas spécialement, non. Non, non,
prends pas la bitume, quoi. Non, mais c'est pas mon délire, quoi. Non, franchement, non. Je comprends pas. Les mecs étaient jobbers il y a 3 mois. C'est comme en fait pour Mahal, quoi. C'est trop tôt. Tu peux pas, pour moi, la B-Team, ils peuvent pas construire des mecs qui étaient jobbers aussi rapidement. Enfin, putain, moi je comprends pas. Et en plus, leur donner les titres. La B-Team, pour moi, c'est l'équipe la moins intéressante, pardon, de tout WWE actuellement. Pour moi, ils ont rien. Pour moi, ils sont pas charismatiques. C'est des catcheurs, pour moi, basiques, qui sont pas bons dans le ring. Je trouve qu'ils n'ont rien, la B-Team. Voilà, encore une fois, je me répète, mais pêcher l'ascension, quoi, c'est beaucoup mieux. Enfin, franchement, non, mais je comprends pas, vraiment. Je comprends pas le choix. Bon, on a eu des chants, let's go B-Team, B-Team sucks. Bon, pourquoi pas aussi. Bref, 2 étoiles 3 quarts, le match était vraiment pas ouf. Quelques trucs, j'ai bien aimé la fin du match, donc comme j'ai dit, et le booking aussi. Mais bon, voilà, victoire de la B-Team que je ne comprends absolument pas. Finn Balor contre Constable Baron Corbin. Mais avant ça, nous avons Kurt Angle qui est avec Renee Young dans les coulisses. Et Kurt Angle dit que si Brock Lesnar n'est pas à Raw pour trouver un prochain adversaire pour SummerSlam, le titre lui sera destitué. Donc ça me plaît énormément. Là, on a la foule en délire à Extreme Rules. Donc j'ai adoré ce petit moment. Et j'espère que tu ne seras pas à Raw Brock Lesnar, même si on sait très bien qu'il y sera, je pense. Mais bon. Bref, on revient sur Finn Balor contre Constable Baron Corbin dans une feud, voilà, très mauvaise. Je crois qu'ils ont redonné vous savez, les textes de Bicass, qui s'est fait virer un petit peu précipitamment. Parce que, en fait, c'est You're too small. Dans le ring, Baron Corbin qui dit You're too small à Finn Balor. T'es trop petit, t'es petit et moi je suis grand. Bref, insupportable. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, bah, t'as Baylor qui va aller faire son coup de grâce à 2 reprises Constable Baron Corbin qui se relève et qui enlève Finn Balor. Bon, voilà, ça a fait passer Baylor. Enfin, je trouve que ça a passé Baylor pour un teubé. Et en plus, Baylor qui gagne sur un petit paquet. Bon, voilà, j'ai pas du tout aimé ce match. 2 étoiles 1 quart. Baron Corbin, faut arrêter, hein, vraiment, avec cette gimmick de mort. Le mec, I bring the darkness, qui est mon thème son préféré. Enfin, peut-être pas mon préféré, mais un de mes préférés. Mais non, frère, t'es en costard. C'est ridicule de faire ça. Mais arrêtez avec cette gimmick, elle est nulle. Elle est nulle. Franchement, putain, mais arrêtez ça. Vraiment, c'est une catastrophe. Putain, il casse Baron Corbin. Enfin, ça n'a aucun sens. En tout cas, on passe au prochain match. Et avant de revenir à ce match, on a les Bludgeon Brothers qui attaquent. La team Erno dans les coulisses, voilà, bon, rien de, enfin, rien d'important, mais quand même, on verra tout à l'heure. Bref, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce match. Carmella défend son titre Women's de SmackDown face à Asuka avec James Ellsworth qui est suspendu à la Shark Cage. À noter que le masque d'Asuka était magnifique pour le coup, j'ai bien aimé, mais c'est pas ça qui nous intéresse puisque on a James Ellsworth qui, dès le début du match, balance une chaîne, hein, voilà, une chaîne à Carmella au bout de 10 secondes. Voilà, bon. Bref, Asuka donc qui récupère la chaîne et 30 secondes après, il balance vous savez, la bombe pour les yeux qu'il avait utilisée sur Asuka à SmackDown. Bon, bref, complètement con. Et donc, on a James Ellsworth qui a la clé de la Shark Cage. C'est-à-dire que, alors, Paige. Elle dit, tu vas être enfermé dans une shark cage, mais tiens, tiens la clé. Mais comment il peut avoir la clé? Mais franchement, mais non, mais vous nous prenez pour des cons. Je veux bien, mais donc James Ellsworth, s'il a la clé de la shark cage. Y a pas un truc qui, non, mais n'importe quoi. Ah ouais, non, mais il y en a des incohérences, hein. Et donc James Ellsworth qui veut sortir de la cage, de la shark cage, et là t'as sa jambe qui reste coincée. Du coup Asuka, ben, elle en profite, elle tape. Ça n'a aucun sens. Après t'as la sécurité qui arrive. Pourquoi? Pourquoi la sécurité arrive? Si Asuka a envie de taper Ellsworth, ça tape Ellsworth. Enfin si. Du coup la sécurité, ben, Asuka tape toute la sécurité et on a Carmella par derrière qui pousse Asuka contre la cage. Juste elle pousse Asuka contre la cage.
fais le tomber. 1, 2, 3. Je peux vous dire que si j'étais adulte et que j'étais seul chez moi, je pense que j'aurais été. J'aurais crié un point. Mais. Je crois honnêtement que c'est la plus grosse blague depuis que je regarde du catch. Donc depuis 2009, c'est la plus grosse blague que j'ai vue. Et même de tout, même ce que j'ai vu des anciens shows, bien sûr, de tous les shows que j'ai vus anciens. Avant 2009, c'est la plus grosse blague de l'histoire du catch, ce match. Et cette fin, surtout cette fin, juste Carmella pousse Asuka sur la cage. Ben, vous avez qu'à dire ça aux meufs d'NXT, qui pendant 900 jours, 900 jours, ont toutes perdu contre Asuka. Toutes. Bayley, enfin je sais pas si Bayley, Sasha, je sais même pas, Nia Jax qui a perdu contre Asuka. Tout le monde, toutes, elles ont toutes perdu. Ember Moon, toutes. Toute perdue contre Asuka. Et Carmella, eh ben, une fois Asuka, qui passe pour une teubée à regarder Ellsworth comme ça, 2 heures, à Money in the Bank, et là, juste, elle pousse Asuka. Non, mais les gars, mais... Ouh, c'est pas possible. Je crois vraiment, mais allez bien vous faire enculer. Allez bien, mais alors là, mais... Je vous jure, je ne sais pas si vous ressentez Ma dose d'énervement. Et je mets pas le dot juste pour la fin du match. Enfin, le... Bon, ça peut jouer un petit peu quand même. Hein, je vais pas vous mentir. Mais le match était pas bon. Il était très court. Mais comment décrédibiliser Asuka? Et Carmella, mais... Oh, putain. Moi, je vais péter un... Bref, on a Asuka après qui continue d'attaquer la sécurité. Puis James Ellsworth après le match. Bref. J'espère que c'est un heel turn d'Asuka. Pourquoi j'espère que c'est un heel turn d'Asuka? Pour qu'elle récupère le titre, pour qu'elle récupère ce titre à SummerSlam, je ne pense pas que ce sera un Carmella Asuka 1 contre 1. Je pense que ce sera un Triple Threat ou un Fatal 4-Way. Et pourquoi je dis qu'elle turn machin? Parce que, alors, je pense savoir pourquoi Asuka n'a pas récupéré le titre une nouvelle fois, c'est qu'elle est face et qu'il y avait pas assez de heal consistante. Parce que t'as Absolution qui sont très jeunes et les Iconics pareil. Donc, ils ont fait heel turn Asuka, je pense que c'est une bonne idée. Enfin, j'espère que c'est un heel turn Asuka. Et j'espère que ça partira sur un Triple Threat avec Charlotte Flair ou un Fatal 4-Way avec Becky Lynch, je ne sais pas. Mais voilà, non. Ne refaites plus. Franchement, je peux pas. Je peux pas y croire. Ça m'insupporte. Vraiment. Ça m'énerve au plus haut point. Ces genres de conneries. Cet overbooking. C'est même pas de l'overbooking. C'est-à-dire, tu construis Asuka pendant. C'est ça, un 900 jours. Je dis peut-être une connerie, mais ça doit être ça. Le plus long règne de l'histoire du titre féminin d'NXT. Et tu l'as fait perdre contre Carmella 2 fois. Et en plus, la 2e fois, Carmella ne fait même pas son finisher. Franchement, mais je trouve ça honteux. Vraiment. Et là, vraiment, WWE. Et j'aime pas les gens qui tombent tous sur WWE. Parce que certes, c'est nul à chier en ce moment. C'est pas nul à chier non plus, j'abuse. C'est nul en ce moment, mais arrêtez de tomber sur WWE. Parce que NXT, c'est quand même un des trucs les plus cool du catch actuellement, et c'est WWE. On va voir NXT UK, on a des trucs très cool avec WWE. Donc voilà, j'aime pas trop qu'on chie sur WWE. Mais là, Vince McMahon, je sais que on en a encore pour quelques années avec Vince. J'ai hâte que Triple H revienne, quoi, parce que, enfin, que Triple H prenne la tête, parce que Vince, hein, il prendra jamais sa retraite, hein, je vous le dis, il sera toujours à Vince, hein, la seule solution, c'est qu'il décède, hein, mais je ne le souhaite pas, je ne souhaite absolument pas la mort de Vince McMahon après tout ce qu'il a fait pour le catch, mais Vince McMahon, c'est un génie, hein, voilà, on peut dire ce qu'on veut, actuellement, c'est une catastrophe depuis quelques années, Vince McMahon, mais ça reste un génie, vraiment, et vous pourrez me tomber dessus pour tous les kikous qui regardent du catch depuis 3 ans, mais oui, Vince McMahon est un génie, et puis c'est tout, c'est comme ça, là, voilà, j'ai raison, Vince McMahon est un génie pour tout ce qu'il a fait pour le catch, allez vous renseigner, au lieu de me tomber dessus, oh, Vince McMahon, il fait n'importe quoi, oui, actuellement, il fait n'importe quoi, mais il commence à se faire vieux, hein, Vince, donc, non, mais voilà, je ne lui souhaite pas, bien sûr, la mort, mais ce sera, voilà, malheureusement, quand il décédera, que Triple H reprendra la tête de WWE. Je pense, hein, à moins que bon, il ait vraiment 90 piges et que voilà, ou alors qu'il ait une maladie. Voilà, on en a encore pour quelques années avec Vince, mais là, Vince, tu peux pas. Là, c'est juste du foot. Enfin, moi, bon, bref, je vais pas rester 8 heures sur ce match. Je vais essayer de me remonter le moral avec la suite. On est parti. Juste, alors, WWE qui met un extrait
des deux premiers matchs en fait. En fait, il montre ce qui s'est passé dans le kick-off et il rajoute les deux premiers matchs en mettant oh, regardez ce qui s'est passé dans le kick-off. Allez. Oh, ils sont à la ramasse, c'est exceptionnel. Bref, on passe au Jeff Hardy qui défend son titre des États-Unis face à Shinsuke Nakamura. Alors pourquoi ils mettent pas un petit truc où on voit ce qui s'est passé entre les deux? Bon, j'aurais trouvé ça sympa, mais bon, il s'est peut-être pas passé assez de choses. On va dire que les entrées me remontent le moral, parce que c'est vrai que voilà. Je suis un gros fan de Jeff Hardy avec son face paint, hein, voilà, c'est mon idole d'enfance, et Nakamura qui est un de mes catcheurs préférés également. Donc je suis très content. Et ça remonte légèrement le moral. Alors on a juste avant le match. Avant que la cloche sonne, Shinsuke Nakamura qui fait un low blow à Jeff Hardy direct. Ça m'a ultra surpris, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Là, on voit que Nakamura est très intelligent puisque il n'y a pas de DQ, hein, donc voilà. Et puis, bim, 8 secondes, Kinshasa de Shinsuke Nakamura, 1, 2, 3. Victoire de Shinsuke Nakamura qui devient le nouveau champion des États-Unis. Bon, j'ai mis un dud, mais en soi, j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi ils ont fait ça? J'ai été déçu, forcément, parce que Hardy Nakamura, ça reste un de mes dream matchs, mais je me doutais que ça allait être compliqué pour Jeff puisqu'il a un nerf pincé. Voilà, et donc c'est très compliqué pour lui de catcher. Et autre chose, Nakamura qui revient d'une blessure très légère, mais quand même. Donc je pense, enfin, c'est surtout la blessure de Jeff Hardy, un nerf pincé, c'est extrêmement douloureux. Donc voilà pourquoi je pense qu'il n'a pas qu'à, enfin, que le match a duré 8 secondes. Je trouve ça plutôt intelligent, même si ça me fait un peu chier parce que j'aurais vraiment aimé voir un match entre les deux, un vrai match, et j'espère qu'on en aura un. Donc, très content pour Nakamura. Mais en tout cas, à la fin de ce match, nous avons The Viper Expect Predator Randy Orton qui est de retour de blessure. Et voilà, il y a tout autour des blessures. Et Orton qui va un peu défier du regard Nakamura et qui finalement va se tourner vers Jeff Hardy et va lui foutre un coup de pied dans les couilles. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé Orton qui a même pas parlé, qui a pas eu besoin, j'ai bien aimé ce petit retour. Et voilà quelque chose de bien booké. Voilà, quand t'es dans la merde et que t'as un catch. Voilà, ils vont pas dire oh ben non, il va pas catcher. Voilà, tu fais un match très rapide. Bon, je trouve que ça décrédibilise un petit peu Jeff Hardy, mais légèrement parce qu'il y a le low blow avant le match. J'ai trouvé ça très bien booké. Vraiment, pour le coup, super. Vraiment. Donc, en tout cas, j'aurais peut-être pas mis 8 secondes. J'aurais peut-être fait un, deux ou trois coups. Et puis après, voilà, parce que 8 secondes, je trouve ça un peu réducteur pour Jeff. Mais je trouve ça quand même très sympa. Donc, voilà. Braun Strowman contre Kevin Owens dans un Steel Cage match. Bah écoutez, c'était pas mauvais. C'était pas vraiment mauvais. C'était pas ouf non plus. Kevin Owens, que j'ai bien aimé pendant ce match. Braun Strowman, j'ai pas vraiment apprécié. J'ai adoré Kevin Owens pendant ce match. Notamment, il a menotté un moment Braun Strowman. Et puis Braun Strowman, tu vois, voilà, il a pété une échelle à main nue, je crois, ou un truc dans le genre. Il a cassé une pomme. Faut pas le faire chier, enfin il me pétait une échelle à la main nue, enfin il est passé à travers une échelle, bref. Et du coup, Strowman qui casse les menottes et qui va chercher Kevin Owens, qui essaye de courir, etc. J'ai trouvé le match un peu overbooké, vraiment, même très overbooké. C'est dommage parce que ça aurait pu être beaucoup mieux sans cet overbooking as fuck. Et donc, Braun Strowman et Kevin Owens qui sont en haut de l'échelle. Braun Strowman qui prend Kevin Owens, qui le balance avec un, je pense, un chokeslam, je suis pas sûr. À travers la table des commentateurs. Encore un bump incroyable de Kevin Owens. Il en avait fait un incroyable également à Money in the Bank. Là, encore une fois, un super bump de Kevin Owens. J'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Sans ce bump, c'était du 2 étoiles. Là, c'est 2 étoiles et demi. Voilà. Parce que ce bump est exceptionnel. Et finalement, du coup, Kevin Owens qui gagne. Et j'ai hésité. Hein. Rappelez-vous, il me semble, dans ma prédiction, j'aurais aimé dire Kevin Owens, mais. Non. Et bravo à WWE. Franchement, bravo à WWE, parce que là, ça ne décrédibilise pas Braun Strowman et ça arrête de décrédibiliser Kevin Owens, qui était vraiment décrédibilisé pour le coup du côté de Monday Night Raw. Donc, en tout cas, c'est très cool. Franchement, parce que Braun Strowman, tu vois, il veut juste défoncer tout le monde, il s'en branle de gagner ou pas, il a la mallette, il a. Voilà. Donc, je trouve ça super. Franchement, pour une fois, WWE, là, voilà, le moral remonte un petit peu, même si la qualité du match n'est pas folle. Pareil pour le Hardy Nakamura, c'était pas un bon match, hein, voilà. Mais j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé, parce que le catch, c'est pas non plus des excellents combats, hein. C'est aussi du divertissement. Donc, voilà aussi. Mais après, il y aura des excellents combats, attendez un petit peu. En tout cas, j'ai bien aimé. 2,5 étoiles, enfin, j'ai pas aimé en soi le match, mais ce qui s'est passé.
les Blood Gun Brothers contre eux, ben, pas Tim Elno, hein, Daniel Bryan qui arrive tout seul. Donc ça part un petit peu en match handicap pendant 5-6 minutes, et puis après il y a Kane qui arrive avec une sorte de gros plâtre ou je sais pas quoi au pied. Bon, Kane qui va rien faire, il va faire une ou deux prises, et la victoire des Blood Gun Brothers, 3 étoiles un quart, le match était très cool. Daniel Bryan a vraiment fait le taf, il a eu des spots super cool. Rowan a été très bien, et bon, Harper à son niveau habituel, mais Rowan m'a surpris sur ce match. Bon, c'était très prévisible que Kane allait arriver. Je suis content. Kane n'a pas eu le temps sur Daniel Bryan. Je suis moins content. On n'a pas vu de mise. Voilà. Bon, je suis mitigé. Bon, il s'est pas passé grand-chose. Le match était sympathique. Enfin, moi, j'ai bien aimé. 3 étoiles un quart. J'ai bien aimé. Vraiment, Daniel Bryan, très bien. Très, très bien. Voilà, c'était bien de ne pas mettre Kane dans le ring. Il est resté pas très longtemps. Et tant mieux. Mais en tout cas, victoire des Blood Moon Brothers qui continuent leur destruction. J'aime bien ce qui se passe autour des frères Marteau. Moi, je vois bien Sanity aller les chercher, même s'ils sont heal. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, à voir. Roman Reigns contre Bobby Lashley. Là, les gars, j'ai respiré. J'ai respiré en voyant que ce n'était pas le main event, bordel de queue. D'ailleurs, un main event qui nous aura totalement surpris. Je pense que personne ne s'attendait à celui-ci, mais bon, on y reviendra après. Non, vraiment super content de voir que ce n'était pas le main event. Bon, la foule qui a bien sûr chié sur le match, mais il n'était pas mauvais. Franchement, le match n'était pas mauvais. 3 étoiles et demie pour moi, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. J'ai vraiment été surpris. Bon, malheureusement, voilà, la foule qui a chié sur le match, mais elle s'est un petit peu calmée en fin de match parce qu'elle voyait que c'était cool. Enfin, moi, j'ai bien aimé ce match, vraiment. Je sais pas les gens ce qu'en ont pensé. Hein. Je n'ai pas du tout. Voilà, j'essaye aussi de rester comment dire neutre. Donc je n'ai pas vu hein, les avis des gens, mais moi j'ai bien aimé. Voilà. Bon, après pas grand-chose à dire. 3 étoiles et demi et bordel. Bobby Lashley qui bat Roman Reigns. Et ben voilà. WWE. Putain la surprise. C'est ça qui est bon. Merci. Ça c'est cool. Enfin. Moi, je préfère Reigns, hein, très clairement. Mais je m'en branle en fait. Je m'en branle de qui gagnait ce match. Je préfère Reigns, mais je m'en branle à un point. Mais ils ont réussi à comment dire, à me faire intéresser à ce match. C'est cool, hein. Franchement, le match était plutôt cool. Je voulais partir sur un 3 1 quart. Et puis moi, quand je mets une surprise, je rajoute un petit 1 quart généralement. Bon, pas quand c'est un 5 étoiles ou quoi. Mais voilà. Quand j'hésite un peu, je dis allez, je mets 3,5 pour la surprise. Mais ouais, franchement, j'étais agréablement surpris par le résultat, par la qualité du match. Et donc Bobby Lashley qui devrait peut-être aller chercher Brock Lesnar du côté de SummerSlam. J'aime pas du tout, pardon, de Bobby Lashley. Pour moi, ça a longtemps été le Brock Lesnar de TNA. Ils ont totalement les mêmes caractéristiques, hein, anciens de MMA, voilà. Même physique, le même. Pendant un temps, ils avaient le même délire d'entrée où ils sautaient sur le ring. Enfin, vraiment, même caractéristiques. Sauf que Lashley n'est pas un part-timer, donc je préfère voir Lashley que Lesnar. Hein. Mais en tout cas, ouais, moi je m'en fous. J'aimerais que ce soit Strowman le prochain champion. Et je pense de toute manière que ce sera Strowman. Mais en tout cas, je suis très content de ce match. Voilà. De toute façon, il ne pouvait pas me décevoir. Hein. Voilà, il pouvait, de toute façon, en soi, le show, et c'est cool avec ce show aussi, c'est qu'il pouvait ne que, pardon, nous. Comment dire, nous surprendre en bien. Donc ça c'était cool avec ce show. En tout cas, victoire de Bobby Lashley qui m'a plutôt surpris. Alexa Bliss défendait son titre Women's de Raw face à Nia Jax dans un No Disqualification match. Il y a eu quelques armes, il y a eu des poubelles, voilà, c'était cool, il y a eu des kendo, il y a eu des trucs, donc ça c'était sympathique. Et surtout, on a un moment Natalya et Mickie James qui se mettent à deux sur Natalya, qui était venue aider un petit peu Nia Jax. Et il y a Ronda Rousey qui, comme je vous l'ai dit en début de show, était aux abords du ring. Et bim, elle va commencer à péter Alexa Bliss, etc. Mais ça ne décourage pas Alexa Bliss et Mickie James surtout. Hein, Mickie James qui va péter Ronda Rousey. Oui, Mickie James, c'est cool. Et Alexa Bliss qui, du coup, va faire un DDT sur, enfin, son DDT là, sur la chaise. Victoire d'Alexa Bliss, je me fous de ce match. J'ai bien aimé 3 étoiles un quart. J'ai bien aimé l'intervention de Ronda Rousey. J'ai bien aimé que Ronda Rousey n'était pas overbookée. N'était pas en mode je vais détruire tout le monde. Franchement, j'étais plutôt surpris qu'elle se fasse défoncer par Mickie James. Donc, ça, j'ai bien aimé. 3 étoiles un quart, j'ai bien aimé ce match. Mais sans plus, voilà, c'était sympathique. Voilà, on passe. On passe, mesdames et messieurs, à AJ Styles face à Rusev. Alors. Vous l'avez compris, Dolph Ziggler contre Seth Rollins, c'était le main event.
quelque chose qui m'a légèrement gêné. Je ne comprends pas pourquoi WWE ne veut pas mettre AJ Styles en main event. Alors, putain, mais merci d'avoir mis Ziggler Rollins. Merci, donc. Mais je peux pas, là-dessus, sur ce show, je peux pas critiquer. Mais à SummerSlam, il ne sera pas en main event. Donc, je sais pas quand, mais il faudra le mettre en main event un jour, les gars. Vraiment, s'il vous plaît, quoi. Le pauvre Styles, putain. C'est un des meilleurs workers du monde. Et vous, enfin, moi, je trouve ça quand même assez fou. Il préfère mettre Lesnar. Bon, là, Ziggler Rollins, bravo. Franchement, vous avez des couilles de le mettre en main event. Mais c'est surtout qu'il voulait pas mettre Styles Rousseff. Bon, je pense que c'est aussi de la faute à Rousseff. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le titre WWE en main event, quoi. Donc faites très attention à ça, WWE. Vraiment, s'il vous plaît. Parce que Styles ne mérite pas ça. Bref. La tenue pardon, des deux était magnifique. Et aussi d'Aiden English. J'adore les tenues d'Aiden English à chaque fois. Alors j'ai adoré ce match. Il y avait des near-falls incroyables d'un petit peu partout. Le match qui se termine avec Aiden English qui en fait enlève, vous savez, la protection du coin et Rousseff qui va se la prendre la tête la première et Styles qui va pouvoir enchaîner, etc. Petite tension entre Rousseff et Aiden English. Victoire de AJ Styles qui conserve son titre sans surprise. 3 étoiles 3 quarts. Le match était super. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Voilà. Pas grand chose à dire, j'ai adoré le match. 3 étoiles, 3 quarts, super. Et donc, le main event, Dolph Ziggler défendait son titre intercontinental face à Seth Rollins dans un Iron Man match de 30 minutes. Et oui, mesdames et messieurs, pardon, très content, très, 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 très content de voir le titre intercontinental en main event. Je n'ai aucun souvenir d'un show avec le titre intercontinental en main event, enfin, d'un pay-per-view, bien sûr. Franchement, et ça fait ultra plaisir. Parce que Rollins le mérite, mais amplement, c'est vraiment, il n'y a pas à chier, c'est le meilleur depuis 3 mois. C'est exceptionnel. Et Ziggler mérite également, parce que vu ce qu'ils font à Raw les deux, avec McIntyre d'ailleurs, c'est excellent. En tout cas, la tenue de Seth Rollins, que j'ai adoré d'ailleurs. J'ai bien aimé celle de Ziggler aussi, avec un délire américain. On commence avec un 1-0 pour Seth Rollins, 2-0 pour Seth Rollins, 3-0 pour Seth Rollins, mais le 3-0 n'est pas très très normal puisque c'est une disqualification suite à l'attaque de Drew McIntyre. McIntyre qui va bien sûr faire ça pour, certes, il va coûter un point à Dolph Ziggler, mais ça va aussi permettre à Ziggler de bien aller chercher 2-3 points derrière. Voilà, donc en tout cas. Intervention de McIntyre et l'arbitre qui vire Drew McIntyre des abords du ring. Je trouve ça pas hyper logique, mais bon, enfin, quoi que si. Parce que je vous rappelle qu'il avait gagné un match pour rester aux abords du ring, donc en soi, c'est logique. Ouais, bon. Bref, pas très important. Donc, après, Ziggler qui va revenir à 3-1 suite à un claymore de McIntyre. 3-2 pour Ziggler, 3-3 pour Ziggler et 4-3 pour Dolph Ziggler avec, bon, en trichant avec les pieds dans les cordes. En tout cas, donc Ziggler qui est la remontada de Dolph Ziggler. Ah oui, le public avait un délire avec, vous savez, il faisait à chaque fin de minute, il faisait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, comme ça, comme dans le Rumble. Voilà, c'était marrant. Ça donnait un petit peu d'ambiance, mais bon, ils ont pas chié sur le match, hein, bien sûr. Et à 3 minutes de la fin, Seth Rollins qui revient à 4 partout. Et là, on est vraiment fin du match. Seth Rollins, curb stomp. Il va s'allonger sur Ziggler, mais c'était déjà la fin du temps. Il n'a pas le temps de faire le tomber. Donc c'est en 4-4, mais Kurt Angle qui revient et qui dit non, pas dans ma ville natale, pas un match nul. Alors Kurt, je t'aime bien, mais c'était quand même ma prédiction, les gars. Donc si vous pouviez. Parce que je pense que peu de personnes ont prédit ça quand même, donc j'étais plutôt content d'avoir prédit ça, donc pourquoi tu... Bon bref, Kurt Angle qui va relancer le match, et puis il y a McIntyre qui va venir un petit peu déconcentrer Seth Rollins, oula, et qui va, pardon, qui va donner la victoire à Dolph Ziggler en 3-4 secondes. Donc voilà, Dolph Ziggler conserve finalement ses titres intercontinentaux. C'est cool parce que je trouve que ça décrédibilise pas trop Seth Rollins. Je me serais arrêté au match nul. Quitte à faire, enfin voilà, vraiment, je dis pas ça parce que j'ai prédit le truc, hein. Mais plus sérieusement, j'aurais arrêté sur le match nul. Ça décrédibilisait aucun des deux. Ça aurait été super, donc bref, bon, dommage, mais bon. 4 étoiles un quart, j'ai adoré le match. Franchement, c'était pas un match full spot fest. Mais bon, quand les mecs doivent tenir 30 minutes, je pense qu'on peut les comprendre de ne pas faire du full spot fest. Donc j'ai adoré le match, c'était
Il y avait de la tension, il y avait tout ce qu'il fallait. Super match, encore une fois, de Seth Rollins, qui est exceptionnel. Et bravo à WWE d'avoir mis le titre intercontinental en main event et de donner aussi, comment dire, des cadeaux, entre guillemets, quand un catcheur fait un bon travail, que vous le mettez en main event, même s'il est actuellement dans la mid-card. Bravo, vraiment. Donc voilà, c'était la review de Extreme Rules. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à dire ce que vous avez pensé du show dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment parce que voilà, là je vais aller voir la vidéo de, bah tiens, de Links Off, hein, qui a sorti la vidéo, que je voilà, que je n'ai vu aucun avis sur de personne. Donc bref. En tout cas, merci. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.